Et salut les rocketeurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire découvrir le logiciel BexMod. Ce petit logiciel vient s'incruster dans Rocket League et regroupe plein d'utilitaires, notamment en jeu libre, grâce à l'aide des flèches directionnelles. Il va vous permettre d'exécuter des actions comme des passes, faire apparaître le ballon sur le toit de votre voiture, ou encore faire partir le ballon en backboard. C'est très pratique, car par rapport à l'entraînement basique, le ballon arrive toujours dans des directions différentes. Ce mod est un petit bijou pour s'entraîner rapidement et efficacement. Si vous appuyez sur la touche F2, vous arriverez dans le menu du BexMod. Vous retrouverez tout un panel d'options, notamment des changements d'interaction avec le ballon, à savoir que le logiciel est seulement disponible en anglais malheureusement. Mais bon, c'est pas très compliqué. On retrouve aussi BexMod en match, qui vous permettra de visualiser le ratio des points de vos adversaires, et un replay des buts en match totalement différent, car la caméra se positionne sur la vue du joueur, et ça je dois avouer que c'est excellent. Ça permet de voir le comportement du joueur qui est en face, ou tout simplement voir de quelle manière votre mate vous a fait une passe, un centre ou un but. Alors, comment l'installer ce petit logiciel? Pour installer BexMod, c'est très simple, je vous ai mis le lien dans la description. Une fois que vous avez cliqué sur le lien, vous vous retrouvez sur cette page. Il suffit de cliquer ici, le téléchargement se lance. Ensuite, il suffit d'ouvrir le fichier .exe et voilà, BexMod a été injecté en jeu. Tu peux dès à présent découvrir toutes ses fonctionnalités. Si cette vidéo t'a été utile, n'oubliez pas le petit like ou abonne-toi pour suivre l'aventure avec moi. Je vous dis à très bientôt, c'était Majestic 21.